Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un tweak qui va vous permettre de surfer autrement dans Safari. Donc si vous voulez, si on ouvre Safari, quand vous allez donc changer de page ici, ça vous fait ce fond là. Donc si vous faites nouvelle page par exemple, ça vous fait comme ça. Donc ça s'appelle Grid Tab for Safari. Donc ça fait un peu, c'est exactement comme l'iPad. Donc ce qu'on va faire, on va aller le télécharger. Donc on va aller ouvrir Cydia. On va d'abord télécharger, comme ça on regardera ensemble. Donc on va rechercher en bas et on va taper Grid Tab, GR. Juste GRIDTAB Grid Tab for Safari. Donc vous le retrouverez, il est disponible sur le pot de Big Boss, 99 $. Donc je vais installer, confirmer. On attend. Je vais te faire le changement des données, tant pis. Donc, ça va relancer le Springboard. Voilà. Donc, maintenant, si on va donc dans Safari et qu'on veut donc surfer autrement, donc si on fait ça, voilà, vous avez une page, on fait une nouvelle page. Donc si on fait non, je me trompe. Donc si on refait ici encore nouvelle page, voilà, donc vous aurez tout sur une seule page. Donc ça marche en mode paysage. Voilà, donc c'est assez sympa, c'est mieux que celui proposé pour l'iPhone d'origine. Donc après, normal, hein, vous pouvez les effacer et fermer. Donc voilà, c'était pour vous faire montrer donc ce petit tweak qui s'appelle Grid Tab. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon canal de YouTube et de visiter mon site internet http://bisco43.webs.com. Je vous remercie.